École de Riocro, quelle classe? CM2. CM2, très bien. Où on se trouve? Au sud. On se trouve dans le sud de la France. Dans quel département? En Ariège. Nous sommes en Ariège et on habite, on a une particularité, on n'est pas loin. Les Pyrénées. On n'est pas loin des Pyrénées, d'accord. On a un petit peu eu envie d'aller voir un petit peu ce qui se passait dans les montagnes, comment on pouvait vivre dans les montagnes, aujourd'hui, mais surtout avant. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert les ouris. Alors les ouris, comme on dit en occitan, kézako. Alors maintenant, on va rentrer dans les détails et on va parler de la construction de l'ouris. Alors, il y a trois candidats pour parler de l'ouris. Et c'est Kenzo qui va nous en parler. Alors, on a un rocher d'appui qui permet de maintenir un peu l'ouris. Après, on a les rochers qui sont croisés pour éviter qu'il y ait la coupe du sable. La coupe du sable, c'est quand il y a les rochers qui sont l'un sur l'autre, ça laisse un espace. Du coup, ils sont un peu en décalé à chaque fois. Après, on a les rochers du bas qui sont creusés dans la terre pour que ça maintienne le bas de l'ouvrier et qu'il tienne. Maintenant, on passe la parole à Axel, qui va nous parler, lui, de la partie du haut. Alors, pour la partie du haut, nous allons commencer ici, au lieu de faire un toit tout en haut et tout plat, on va essayer de faire une voûte. Et pour faire la voûte, nous allons faire la technique de l'encorbellement. L'encorbellement, nous allons utiliser de longues pierres plates et des pierres de calage pour les soulever. Nous allons les mettre, on va les superposer pour faire une forme arrondie. Et un peu en pente aussi. Et dès qu'on aura fait ça, on mettra le plafond. Et avec le plafond, si on regarde un peu de loin, nous allons voir la forme de la voûte. Et la voûte, c'est toute cette chose bleue. C'est un arrondi quand on rentre dans l'ouris. Et pourquoi nous faisons la technique de l'encorbellement pour faire une voûte? Pour quand il pleut, par exemple, que l'eau reste pas figée sur le toit et que ça fasse de la glace pour qu'elle retombe par terre. Je vais vous parler du girbal. C'est ce qui se trouve au-dessus de l'ouris. Et ça sert à quoi? Ça sert à protéger l'ouris. Quand il pleut, l'eau elle passe pas entre les pages. Le girbal, c'est une couche de terre posée sur le toit de l'ouris. Une à l'envers et une à l'endroit. La première, l'herbe est sur le toit de l'ouris et les racines sont en l'air. La deuxième, l'herbe est en l'air et les racines sont vers le bas. Et comment on arrive à faire ça? En prenant des bandes de terre et en les posant sur l'ouris. D'accord. Maintenant, nous revenons à l'ouris, je vais vous parler de l'aménagement. Pour les bergers qui dormaient dans l'ouris, ils sont allés chercher du fouet et le mettre par terre pour leur faire un lit pour dormir et pour avoir un peu plus de confort. Voici le lit. Et pour leur table et les rangements, ils ont pris des rochers et ils ont posé une grosse plaque, un peu de cailloux, pour faire la table ou des rangements ou pour poser, et voilà. Alors après avoir parlé de l'ouris, nous avons Loli et Mathis qui vont nous expliquer que finalement, l'ouris est rarement seul. Maintenant, on a fini de s'occuper de l'ouris, on va s'occuper de tout ce qu'il y a autour. Alors on peut voir quelques bâtiments faits de pierre, que de pierre, la pierre sèche du coup. On peut remarquer aussi deux enclos parmi et le rocher d'appui. Ici, il y a le magic, la cave à fromage et à beurre. Là, il y a le cabana pour les naissances et pour les bêtes malades.
Là, il y a le super cochon pour mettre des cochons. Là, il y a le poulailler. Là, il y a la brique pour surveiller. Là, il y a les deux enclos. Là, il y a une trace de couloir de traite. Voilà. On voit des pierres verticales. Qu'est-ce que c'est ? Les traces de couloir de traite. Pourquoi on met des pierres verticales ? Pour pas que les bêtes sautent. Pour pas que les bêtes sautent, absolument, oui. Merci Loli. On peut résumer ça sur ce panneau. Je vais l'agrandir pour qu'on puisse le lire. Donc pour récapituler, on a Lori, le mazuc, le cabanat, la soue, les niches et poulaillers, l'enclos, la marga, l'abri sous roche et les canaletas. Donc après le travail et la découverte des oris dans nos montagnes, on a eu envie de modéliser ces petits oris et de les refabriquer et de voir si on pouvait en établir des maquettes. C'est ce qui va vous être présenté par Alexia et par Ilan en regardant un petit peu le travail qui a pu être effectué. Pour commencer, il faut toutes sortes de cailloux, des plus gros, des plus petits, des moyens et une ardoise pour mettre l'ori dessus. Après, le plus important, l'encadrement de la porte. Après, on va commencer à mettre tout le côté de l'ori. Et attention, il faut faire attention parce que l'ori, il faut placer les cailloux en sorte qu'il n'y ait pas de jour qui passe. Après, on continue. Sans laisser deux jours. Et à la fin, il faut éviter qu'il y ait du jour. Du coup, on met des modules. C'est des cailloux, des petits cailloux pour fermer les toits. Et on passe la parole à Ilan pour la suite de la construction. Après, on va prendre un ballon de veau de ruche. On va le mettre dedans l'ori. Après, on va faire le toit un peu plus, et un peu plus jusqu'à ce que ça se finisse. Merci à vous deux. Et on va à nouveau faire un focus sur le mini-ori qui est très joli. Vous n'avez pas construit les vaches ? Non, non, c'était, vous n'avez pas eu le temps. D'accord. Très bien, Ilan, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris à quoi sert le ballon de baudruche. Du coup, le ballon de baudruche sert à faire l'encorbellement parce que la maquette est trop petite pour qu'on fasse un vrai encorbellement. Du coup, on va positionner le ballon, on va coller les cailloux entre eux, les coller, et à la fin, on va les laisser reposer une journée et après on va coup de ciseaux et on va enlever le ballon de baudruche et ça va faire un ori à maquette. Super. Alors après tout ce que vous nous avez montré, raconté, j'ai cru comprendre que vous avez encore un secret. De quoi s'agirait-il, Maëlle ? En travaillant sur les oris, nous avons découvert d'autres constructions, comme des terrasses et des bancs. Et alors ? Dans toutes les autres écoles, il y a des bancs, dans la nôtre, non. On s'est dit qu'on pouvait en fabriquer un. Ah oui ? Et alors ? On a le projet à fabriquer un banc en pierre sèche. On va bientôt le fabriquer et on va le faire sans colle et sans ciment. Très bien. Et est-ce que vous pouvez, Maëlie, nous dévoiler ce futur banc ? Ah, il est là. Il est là. Très bien.
Donc il est temps de conclure sur cette intervention de la classe de CM2 de l'école de Rieucros. Donc ce vaste projet qui était au départ juste axé sur la découverte du pastoralisme en Ariège nous a conduit au fil des rencontres avec des tailleurs de pierre, avec le CAIE 09 de l'Ariège, avec le PNR, les Amis du Parc Naturel Régional des Pyrénées, à donner un petit peu d'épaisseur à cette découverte, à partir sur la construction de maquettes avec des partenaires, à aller à la rencontre de carrières pour obtenir des matériaux pour peut-être au début. L'idée était de fabriquer une petite ori à l'intérieur de l'école, mais on s'est rendu compte avec des spécialistes que la faisabilité était très complexe. Donc on s'est rabattu avec des rencontres, là aussi au fil des rencontres, sur ce projet. Il ne reste plus qu'à retrousser les manches pour fabriquer ce fameux banc à l'intérieur de l'école. Donc rendez-vous peut-être lors d'un prochain visionnage pour voir dans la presse si nous sommes arrivés à toucher au bout.